Donc nous arrivons à Airbus La Crabe, où il y avait des travaux pour la création d'un giratoire. Donc on avait pu voir que durant les travaux, la continuité cyclable avait été assurée. Et donc là, les travaux ont été terminés. Donc nous allons voir maintenant que donne ce rond-point, nouveau giratoire qui a été créé. Donc pour rappel, Airbus La Crabe va être le lieu d'une des stations de la troisième ligne de métro. Donc peut-être que la création de ce giratoire est pour préparer la création de cette station de métro, la station La Crabe Saint-Martin. Voilà, donc c'est à partir d'ici qu'il y avait les travaux. Donc on voit que la piste cyclable est toujours existante. Peut-être il manquerait un marquage pour distinguer les deux sens. Bon, là on voit l'épitogramme des deux sens. Et là on voit qu'on peut bien faire le tour de ce giratoire, que la largeur est facilement plus de 3 mètres. Et qu'on a les deux sens avec un marquage au niveau de cette sortie de parking. Et que ça continue donc sur le chemin de l'Épestière. Donc là on reprend ce qui existait déjà.